C'est bon, mes lunettes sont propres. L'affaire Guédon, c'est un spectacle d'humour à une écriture intelligente et vraiment très très bien ficelée, où on découvre une galerie de personnages très variés. Et pour preuve, François Guédon arrive à faire cohabiter dans le même spectacle Booba et Balzac. Donc autant vous dire que ça promet des surprises. François Guédon, c'est un humoriste qui est fan de littérature, qui a fait des études de lettres, qui est passé par une école de commerce, avant d'arriver sur scène pour notre plus grand plaisir. Donc si vous ne le connaissez pas, bah, venez le découvrir. Tout simplement pour découvrir un épisode des Anges de la télé-réalité écrit par Racine. Franchement, c'est à s'en délecter. Pour l'occasion, c'est rebaptisé les Anges de la tragédie. C'est en alexandrin, c'est à mourir de rire. Que tous les chiens de la casse, les dalleuses affamées, d'un revers de la main, elle les a friendzonnées. Abandonnez, monsieur, vos tourments inutiles. Tu veux me rassurer, mais tu es malhabile. Elle m'accusait du pire, d'être allé voir ailleurs. Elle me reprochait même d'être inscrit sur Tinder. Si vous ne le connaissez pas, venez découvrir sa vidéo sur la consanguinité. Vous pourrez la retrouver sur le site du Théâtre Sans Nom, à la page du spectacle L'Affaire Guédon. Il nous fait une démonstration scientifique sur la consanguinité. Quand vous aurez vu cette vidéo, je pense que vous aurez envie de découvrir le reste du spectacle. Donc je vous dis à bientôt.